Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. C'est officiel. Oui, toutes les informations que vous aurez dans cette vidéo sont officielles par ces projets qui sont Avalanche, Ton, Shiba Inu. Attention, ça a été officialisé. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin pour voir ce qui a été réellement officialisé avec ces trois projets. Avalanche, Ton et Ton Coin, bien sûr, et le projet Shiba Inu, surtout Shiba Inu, attention. Donc, tu vas avoir les bonnes informations, mon frère, ma soeur. Tu es au bon endroit, ici sur Cliquez. Donc, abonne-toi et active toutes les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin qui fait un petit rebondissement en ce moment et on se dit, ah oui, est-ce le moment de manger ou d'être mangé? De toute façon, le Bitcoin mange ce qu'il veut et voilà, il fait ce qu'il veut de nous. De toute façon, nous sommes des spéculateurs, oui, nous sommes des vrais spéculateurs. Nous allons parler aussi de Binance. Attention, j'ai oublié de dire ça en début de la vidéo. D'accord? Alors, commençons par cette information. Oui, commençons par cette information. Et les banques nigériennes commencent par collaborer pour mettre en place un stablecoin en quelque sorte de ce genre. Les gars, on se rappelle, on disait le Nigeria, c'était le pays qui adopte les crypto-monnaies. Le Nigeria, c'était le pays qui était pour crypto-monnaies. Tantôt après, on dit le Nigeria interdisait les crypto-monnaies. Après, on vient nous dire le Nigeria accepte les crypto-monnaies. Les gars, un jeu de passe-passe. Un jeu de passe-passe que nos autorités savent jouer avec nous. Parce qu'ils savent que dans ce jeu de passe-passe, ils sortent toujours gagnants. Quand ils vont dire qu'ils interdisent les crypto-monnaies, ou ils interdisent Binance, ou ils interdisent telle chose sur le territoire du Nigeria, alors vous voyez que la peur commence et les gens vendent. Au même moment, eux, ils achètent. C'est comme cela, ça a toujours été le cas. Au même moment, eux, ils achètent comme des malades. Alors, en achetant comme des malades, après, ils savent que quelques mois ou quelques années plus tard, ils viendront dire que non, les crypto-monnaies, c'est la meilleure solution pour la transparence, je ne sais quoi, pas, pas. Donc, les gars, arrêtons de nous fier à tout ce que on nous dit. Et nous devons comprendre que les crypto-monnaies, nous sommes dans la spéculation. Bonne nouvelle fait chuter la crypto-monnaie. Et faut monter la crypto-monnaie. Mauvaise nouvelle fait chuter la crypto-monnaie. Donc, ceux qui déjà sont déjà sur les trading futurs, ils savent déjà que dans la bonne nouvelle, ils peuvent mettre une position short. Et dans la mauvaise nouvelle plutôt, dans la bonne nouvelle, ils mettent position longue parce que dans l'espoir que ça monte. Donc, nous devons être très prudents. Le Nigeria qui veut mettre en place son stablecoin, qui aura. Moi, je trouve bien quand les banques centrales de chaque pays vont commencer par mettre en place leur propre stablecoin. D'abord, ils vont dire les CBDC, etc. Bon, leur propre stablecoin pour rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Là, les jeux commencent à devenir intéressants. Peut-être c'est là-bas même que les stablecoins, j'ai l'analyse que je peux dire en quelque sorte ici, que les stablecoins vont commencer par ne plus avoir de sens. D'accord? Les stablecoins vont commencer par ne plus avoir de sens parce que les banques centrales vont commencer par vouloir mettre leur monnaie des CBDC déjà dans l'écosystème, peut-être relié avec le Bitcoin, etc. De toute façon, nous allons rester, on va voir ce qui va se passer. Alors, on va commencer par parler de la première crypto-monnaie. La première crypto-monnaie, avant de continuer avec les informations, la monnaie Avalanche. Les gars, et Avas. Si toi, tu me regardes, tu n'as pas Avas, et mon frère, c'est ton problème. Ce n'est pas, je ne te dis pas d'aller acheter Avas, loin de là. Je ne dis pas d'aller acheter Avas, mais Avas là. Avas que tu es en train de voir là. Que tu ne vois pas bien là. Elle est une fois arrivée à 140 dollars presque, disons à 140 dollars en 2021 lors du prochain bullrun. Et aujourd'hui, elle est à 45 dollars. 45 dollars. Et pendant un an, Avas est sorti de 11 dollars à 45 dollars, presque 1 fois 4. D'accord? Mais vous savez, Avalanche et Avalanche, les monnaies qui sont souvent créées dans la blockchain des Avalanche sont plus sur le C-Chain. Il y a la blockchain, le C-Chain, le P-Chain et le X-Chain. Je suis sûr que vous savez ça déjà. On a déjà parlé de ça sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce que Avalanche nous dit? Les gars, c'est important. Regardez ce que Avalanche nous dit depuis son compte Twitter. Attention, depuis son compte Twitter. L'information, je l'ai prise nulle part. J'aime prendre les informations depuis la source. Voilà, pour te donner la bonne information, mon frère, ma soeur. Alors, ils sont en train de nous dire. Alors, voilà, ils sont en train de faire la pub, patati patata. Mais récemment, ils ont envoyé quelque chose qui tout porte à croire que le projet Avalanche est toujours au chaud. Attention ici. Ils disent simplement que depuis que Avalanche a été créé, ils ont mis un site en place. D'accord? Un site natif de la blockchain
est un site natif du burn, attention, de Avalanche. Et la communauté peut voir à tout moment ce qui se passe. Attention, je n'ai pas beaucoup parlé de burn dans cette vidéo, beaucoup de burn. Shiba arrive aussi, Shiba arrive, vous allez voir, vous allez comprendre, je suis sûr que vous allez comprendre. Alors, on nous dit simplement que Avas fait des burns presque chaque seconde. J'ai dit presque chaque, regardez, ils ont mis ce portail en place. Ils ont déjà fait 4 millions, ils ont déjà burné 4 millions, 4 millions de Avas. Attention, 4 millions de Avas ont déjà été burnés. Et les 4 millions font un total de 183 728 142 dollars qu'ils ont déjà brûlé. Hé, les gars, comment on peut brûler l'argent? Mais on va faire comment? On est déjà dedans bien. Et regardez, il y a 78 secondes, 15 dollars ont été brûlés. Il y a de cela 116 secondes, 32 dollars. Regardez, chaque fois il y a des burns consécutifs. Et tout cela pour faire rare la monnaie Avas. Déjà, eux, ils ont un total sur plein de 720 millions qui sont le maximum, 720 millions qui sont le total, le maximum supply. On a déjà en quelque sorte la moitié qui est déjà en circulation. Donc ils n'ont pas le total supply des milliards. Imaginez si les burns continuent comme cela. Ah oui, à cette allure, après 10 ans, je fais une estimation bête. Après 10 ans, vous pensez que vous avez compris? Ou bien vous voulez encore plus d'explications? Non, je vois que vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent pour demander encore plus d'explications. D'accord? Vous êtes très intelligent. Alors donc, je vous avais vu clairement sur Avas. Donc, actuellement, la monnaie qui est sur Avas, le même coin qui est sur Avas, qui permet aux gens de faire quoi? Aux gens de changer les Avas, etc. C'est le coq unu. Et le coq unu, vous devez faire attention, les gars. Si vous n'êtes pas préparé pour les mêmes coins, ne rentrez pas dans les mêmes coins. Les gens n'ont pas encore compris. Si tu n'es pas préparé pour les mêmes coins, tu n'es pas dans le même coin. Parce que le même coin, quand il veut te mémétiser, vous comprenez le mot mémétiser, cherchez dans le dictionnaire d'Aristide, vous allez comprendre. Ici, on crée des mots à tout moment. Les mêmes coins vont mémétiser certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un chat voice spécial, exclusif, pour parler de l'innovation qui pousse vers la tendance. Et dans la tendance, ce que l'investisseur doit savoir faire. Attention, il y a certains qui ne savent pas quoi faire dans la tendance. Si tu ne sais pas, alors viens te joindre le plus vite que possible à nous, afin de comprendre et d'apprendre et de manger vivant avec nous en cliquant juste sur le premier lien de la vidéo. Et ce lien t'enverra vers ici. Tu remplis, tu mets ton nom, ton prénom, ton email. Tu vas payer par quel moyen. Et notre équipe se chargera de vous contacter. Ou vous pouvez nous contacter directement sur le plus 228 87 04 08 07, sur WhatsApp ou sur Telegram, de préférence sur Telegram. Ou sur le plus 55 11 95 28 09 597. Alors, je continue mon analyse. Avant de continuer mon analyse, pour venir sur les deux autres crypto-monnaies, ce qui est officiel avec ces deux crypto-monnaies, parlons d'abord de ça. La Bulgarie me fait point final. Comme dit, dictée, Abalo et Afi vont à l'école. Point final. Dictée, là, est fini. Bon, vous vous rappelez de ça, non? Alors, donc, en voyant cela, on nous dit simplement que ils sont en train de mettre fin à leurs investigations qui étaient promulguées par, qui étaient sur Mexo. Et Mexo, nous connaissons, nous savons que c'est une grande plateforme. Et aujourd'hui, qui avait un procès comme quoi, crime, activité criminelle, on va finir avec ça. Ça a commencé depuis 2018 et maintenant, mais fin en 2023, avant pour que l'année. Et quand ça fait comme ça, là, ça redonne, ça rejaillit la joie dans la communauté crypto. Ou bien, ça rejaillit la joie. Donc, ça veut dire simplement qu'un beau jour, nous allons rester comme cela et on va nous dire simplement que, c'est comme ça, le procès contre la SEC. La SEC, qui est en train de faire le procès à Ripple, arrête son procès. Imaginez la joie de ça. Et vous pensez que le Ripple va arriver où? Imaginez-vous un beau jour, on dit non, la SEC arrête de poursuivre Binance.
Imaginez-vous jusqu'à où nous y arriverons. Alors donc, les gars, c'est juste des suppositions. Je n'ai pas la boule de cristal, d'accord? Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Revenons-en maintenant sur la deuxième crypto-monnaie avant d'entamer Shiba. Oui, c'est officiel. Ça, c'est officialisé. Attention. Alors, la monnaie, eh, gars, franchement, je vais passer par ici. Pour que tu puisses. Parce que je vois que tu ne vois pas bien. Hein, tu ne vois pas bien. Hein, oui, tu ne vois pas bien. Alors, regardez très bien. Nous sommes dans les tops. On va prendre top 20. Voilà, top 20, d'accord? C'est cette monnaie-là. Hey! Vous êtes en train de vous amuser. Hein? Nous sommes en train de nous amuser. La monnaie ton coin. La monnaie ton coin. Le ton coin qui est la monnaie de Telegram. Peut-être tu ne sais pas encore. Et cette monnaie-là, elle nous fait certaines statistiques. Et vous voyez, c'est comme si c'est un stable coin, ton coin-là. Ça descend, ça monte. Mais quand on prend sur toute la durée, cette monnaie a déjà fait plus de 400%. Elle est sortie à 51 centavres de dollars. Elle est arrivée à son ATH à 3 dollars. Et aujourd'hui, elle n'est pas loin de 3 dollars. Non, les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Elle n'est plus loin de son ATH 4 dollars. Mais nous remarquons une chose. C'est officiel maintenant. Qu'est-ce qui est officiel? Nous remarquons qu'elle est seulement sur Hobby, OKX, KuCoin, Get. Et nous voyons, on voit OKX, MEX Global. Et PancakeSwap, hein? Elle est sur la blockchain Ethereum aussi, donc vous savez ce qu'il faut faire. Hein? Ils sont seulement devenus prendre le contrat ici, BEP20, d'accord? Ils ont leur propre blockchain aussi, d'accord? Donc nous sommes en train de voir qu'elle est sur les échangeurs, mais il manque combien? CoinEx, attention les gars! Quand vous inscrivez avec le lien de cliquer de CoinEx, vous avez l'exclusivité et les avantages nécessaires. Donc nous sommes en train de voir qu'elle a une capitalisation de 7 milliards. Hey, 7 milliards! 7 milliards! Ou bien, et un volume de 46 millions. Mais elle n'est pas encore sur les grands échangeurs. Attention, il manque quoi? Les grands échangeurs, Kraken, Binance et Coinbase. Mais regardez ce qu'elle nous dit déjà. C'est officiel. Les gars nous disent simplement, avec ou sans les grands échangeurs, nous on avance. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, nous avons notre grand groupe, le grand groupe libéré. Hein, le groupe qui est libre à tout le monde. Hein, de cliquer pour gagner. Bon, tout le monde peut être là-bas, mais là-bas, moi, je suis même plus actif. Excusez-moi le thème, j'abandonne même carrément ce groupe. Je me focalise uniquement sur le groupe VIP. Vous allez voir, ici, on a notre groupe Telegram. Hein, pour ceux qui ne savent pas, vous cliquez juste sur ça. Vous rentrez dans le groupe Telegram ou dans notre channel. Les gars, le channel est important. Le channel est important. Le channel de cliquer est important pour être à l'affût de toute information. Quand il y a quelque chose, rapidement, on pose ça dans le channel. Et dans le channel, tu peux voir le lien du groupe. Donc, les gars, abonnez-vous au channel. C'est en dessous de la vidéo. C'est gratuit pour avoir les informations gratuitement. Le channel, c'est gratuit. Donc, viens te joindre à nous. Et cette monnaie-là, parce que c'est pourquoi nous voulons valoriser Telegram. Telegram, c'est pourquoi toutes nos actions de Telegram se font sur le réseau social Telegram. Et Telegram a une monnaie. Et aujourd'hui, c'est officiel. Il dit simplement que après un commencement difficile, j'ai aimé cette phrase-là. Le projet Tonko nous dit, après un commencement difficile, hein, difficile, les inscriptions ont commencé par tomber comme, voilà, hein, vous avez compris, hein. En 15 jours, ils vont faire un petit rapport, en 15 jours, il y a eu 80 millions de transactions, en 15 jours, dans leur blockchain, qui est le Tonko, ils ont le propre blockchain, j'ai dit ça. Et ils ont eu 100 000 utilisateurs uniques. 100 000, les frais de transaction s'élèvent à 0,004 et etc. Il dit, ils ont battu le nouveau record. Attention, les gars. Et ça veut dire simplement que les gens commencent par s'intéresser à cette monnaie. Mais toi, tu ne t'intéresses pas. Parce que pour le moment, là, Binance n'a pas encore lissé. Toi, tu attends que Binance dise avant de, je ne dis pas d'aller acheter. Hein. Loin de là, je ne dis pas d'aller acheter. De toute façon, tout le monde est libre. Mais c'est officiel. C'est officiel, les informations qu'ils sont en train de nous donner aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous allons faire le chat voice dans notre groupe fermé. Le groupe où je suis plus actif. Le groupe où je pourrais te donner le support nécessaire. Dans le question de la crypto-monnaie, c'est le groupe VIP. Et pour adhérer, c'est simple. Simple comme bonjour. Il suffit seulement de remplir le formulaire ou de payer 100 dollars. Et là, tu as accès au groupe. Tu ne prends pas les 100 dollars maintenant, tu peux commencer à payer par tranche parce que bientôt le prix du cours va augmenter et va passer à 120 dollars. Donc, coup vite pour venir rattraper les 100 dollars si tu avais raté 60 dollars et 80 dollars. Alors, revenons-en maintenant sur Shiba. Eh, attention les gars, c'est officiel, hein. C'est officiel. Eh, Shiba, on va faire comment? Shiba,
Les gars, non, mais ce que je vais vous montrer tout à l'heure, d'abord, donne le j'aime à la vidéo. Non, donne le j'aime. Merci, j'ai vu que tu as donné. Merci. Alors, est-ce que tu es un abonné d'abord? Ah oui, tu viens de me dire que tu es un abonné. Merci beaucoup, j'ai écouté ta réponse. Alors, je continue la vidéo rapidement pour vous. Alors, les gars, c'est officiel. On ne va plus tourner autour du pot pour parler de Shiba. D'accord? C'est officiel. Nous sommes en train de voir l'équipe de Shiba qui dit, ouais, ils ont fait un burn, oui. Mais est-ce que vous avez vu le burn? Et même l'intelligence artificielle de Google. C'est pas bon, hein? Hein? Bard, dit simplement ceci. Bard dit simplement, l'intelligence artificielle prévoit Shiba, hein? Avec 3 euros après la virgule. On va voir, c'est combien. Ah oui, ça veut dire, Shiba va bleu ces 0 là. Hein, l'intelligence. Yo, laissez-moi là, c'est pas moi qui dis. On dit, Shiba va bleu ces 0. Shiba était un shitcoin qui est. Un même coin, disons les choses comme telles qu'elles sont. On dit, que tu ne veux pas là-bas. Hein, que tu. Shiba a détourné tout. Parce qu'avant, nous, on était là, au projet consolidé. Moi, je dis. Projet consolidé. Shiba n'était pas consolidé, mais elle est devenue consolidée. Plus consolidée même que les projets consolidés. Wallahi, c'est ça la vérité. Alors donc, je continue. On dit, l'intelligence fait de Google nous dit, Shiba va brûler un zéro au prix. Après, elle va brûler un autre zéro. Après, elle va brûler encore, elle va brûler à 10 centavres. Et c'est fini, les gens seront impolis dans leur pays. Les gens seront impolis dans leur pays. Alors donc, on dit simplement que ici, là, c'est entre 1 et 2 ans. Et Shiba va brûler un zéro. Ici, on nous dit, entre 5 et 10 ans. Si on va brûler encore un zéro, va revenir à 0.001. Donc, ça, la 2-0 au moment où je fais cette vidéo. Shiba, après maintenant, Shiba, ça, c'est, ils n'ont plus donné. Après maintenant, Shiba va brûler encore 1-0, 1 centave. Et après maintenant, Shiba va brûler et va devenir 10 centaves. Va être à 10 centaves, peut-être en 2020, 2070, je ne sais pas. Hein? De notre vivant, on va manger Shiba ou bien. Shiba, on va te manger un peu ou bien. Alors, c'est officiel. C'est officiel ce que je vais vous montrer tout à l'heure sur Shiba. Ah oui, c'est officiel. Attention. Regardez très bien. C'est pourquoi le chat voice d'aujourd'hui, le chat voice dans le groupe VIP aujourd'hui est important et capital. Je te prierai d'être présent dans le chat voice. Oui. Les gars, arrêtez d'être en idée en crypto-monnaie. Je répète. Arrêtez d'être en idée en crypto-monnaie. Parce que le monde de la crypto-monnaie avance. Elle avance avec une tendance. Suis la tendance. Sinon, tu serais avalé. Donc, fais l'effort pour rejoindre dans le groupe VIP, pour faire le chat voice là. Même si tu l'as pour aujourd'hui, c'est chaque samedi. Chaque samedi à 20h GMT. Chaque samedi à 20h GMT, on dit la messe dans notre groupe. Donc, viens te joindre vite à nous pour apprendre, découvrir et te positionner et comprendre beaucoup de choses. Alors, je vais vous montrer ceci. Les gars, regardez très bien. L'équipe de Shiba a brûlé, hein, 8 milliards de Shiba, d'accord, sur leur déploy. Ici, je ne sais pas si vous voyez 8 milliards. Il y a cela une journée. Mais ce que vous oubliez, et ce que les gens ne disent pas, le même déploy de Shibarium, de Shiba, a envoyé aussi 8 milliards encore. Les gars, c'est quoi? Mais pourquoi, oh Shiba, pourquoi tu brûles l'argent? Pourquoi tu brûles l'argent, les gars? Les gars sont décidés. Les gars sont déchaînés. Ce soir-là, je vais dire beaucoup de choses dans le live. Je vais dire beaucoup de choses dans le chat voice. Alors, la suite dans le groupe VIP. On se dit à très bientôt parce que beaucoup de choses se diront. Ciao.